fatalise yo Yesu consolateur ya mité asinyo so oyo okoyoka Yesu kaka oko apese ango nani oyo namuki ako console mité mosusu nanu namu mité kaka kolonanga. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis contente de vous présenter cette émission. Il faut que ça change. Pourquoi il faut que ça change? Parce que le temps est arrivé. Dans votre vie, comme dans ma vie, il faut que ça change. Moi, ma vie a changé. Parce que Jésus-Christ est venu et m'a rencontré. Parce que j'ai subi des douleurs, des maltraitances. J'étais une femme battue, traumatisée, blessée, humiliée. J'ai subi des moqueries. J'ai été combattue. Il faut que ça change. Et dans votre vie, ça doit changer. Vous devez dire, il faut que ça change. Aujourd'hui, prenez la décision, il faut que ça change. Que ces souffrances, que ces douleurs dans votre vie doivent changer, doivent partir. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour ces premiers numéros, il faut que ça change. Ça doit changer. Votre vie doit changer, comme la mienne. J'ai subi, j'ai été brisée, traumatisée, maltraitée, battue, frappée, humiliée. On s'est moqué de moi, mais Jésus m'a donné une nouvelle identité. Jésus-Christ a fait de moi une femme de valeur. Alors, pour vous aussi, peu importe, c'est par quoi vous passez. Peu importe vos souffrances, vos douleurs, vos soucis, peu importe les divorces, quelles que soient les épreuves ou les conditions ou les situations ou les circonstances dans lesquelles vous traversez, il faut que ça change. Aujourd'hui, vous devez réaliser que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est là pour vous tendre la main. Vous devez dire, ça suffit. Il faut que ça change. Il y a eu des gens dans la Bible qui se sont levés, qui se sont révolutionnés, qui ont décidé que leur vie devait changer. Zachée est monté sur un arbre parce qu'il a dit, ça doit changer. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que ça change. Que vos enfants, dans leur vie, il faut que ça change. Dans votre mariage, il faut que ça change. Dans votre famille, il faut que ça change. Dans votre travail, il faut que ça change. Dans votre ville, il faut que ça change. Marie de Magdala était connue prostituée. Une femme qui n'avait aucune valeur. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu une nouvelle identité. Et elle est devenue une femme de valeur. Il faut que ça change. Tous les hommes qui ont réussi dans la vie, ils se sont dit, dans leur pensée, dans leur mental, il faut que ça change. Et cette émission que je vais vous présenter, dont moi-même j'ai subi des traumatismes, des douleurs, des déceptions, ma vie a été brisée, des choses horribles et terribles. Mais Jésus-Christ a dit, et j'ai décidé qu'il faut que ça change. Dites-le. Et prenez la ferme décision, soyez motivés, enthousiasmés, il faut que ça change. Tous les jours, prenez la parole de Dieu, regardez, lisez dans Matthieu 9, 20. Il y avait une femme, et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme a pris la décision. Elle s'est dit, « Il faut que ça change. Il faut que je sois guérie de ces douleurs. Il faut que je sois guérie de cette perte de sang. Ma sœur, il faut que tu sois guérie. Il faut que tu sois délivrée. Il faut que ta vie change. Il faut que
Il faut que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, que tu aies un mariage heureux et béni. Il faut que tes enfants vivent qui vivent dans la joie et soient heureux, qu'ils ne soient pas des délinquants, que leur vie ne soit pas vouée à l'échec, parce que Jésus est venu changer l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde. Alléluia. Que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes. Que vos situations, quelles que soient les dettes que vous avez, quels que soient les problèmes que vous avez, vous faites des dépressions, vous allez dans des hôpitaux, vous souffrez d'un cancer, vous souffrez des migraines, vous souffrez des douleurs de ventre. Alléluia, peut-être comme cette femme de perte de sang. Mais elle a décidé un jour, elle s'est dit, il faut que ça change. Combien des hommes aujourd'hui se décident tous les jours qu'il faut que ça change pour être un grand, pour aller loin dans sa vie, pour avancer. Tout commence en prenant une décision. Et cette décision, il faut que ça change. C'est cette rubrique de cette émission. Cette émission s'intitule, pour cette première, il faut que ça change. Tous les jours de votre vie, et vous verrez un changement. Et vous verrez des grandes choses. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et les changements commenceront à s'opérer dans votre vie. Quel que soit ce à quoi vous attendez de Dieu, Dieu vous l'accordera si vous décidez qu'il faut que ça change. Et votre vie, sera déterminée pour les meilleurs. Alléluia, car Dieu vous a créé pour avoir une vie heureuse et bénie. Là où vous êtes, vous vous posez peut-être des questions, comme moi. Je me posais des questions. C'était les ténèbres dans ma vie. C'était peut-être vous êtes alcoolique. Peut-être vous buvez pour oublier vos souffrances. Peut-être que vous êtes en train de pigeonner les hommes. Peut-être que vous aimez critiquer les gens. Peut-être que vous aimez faire du mal. Peut-être que vous êtes captif de quelque chose. Il faut que ça change. Peut-être que vous tournez en rond. Vous allez dans des églises. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vous donnez des dîmes, vous donnez des offrandes, vous avez tout fait. Mais aujourd'hui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Alléluia. Martin Luther King a cru. Alléluia. Nelson Mandela a cru. Tous les grands hommes de ce monde ont cru qu'un jour, Jésus peut sauver le monde. Jésus peut vous délivrer. Jésus peut vous toucher. Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous accorder des enfants. Et plus encore, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, Jésus-Christ peut venir dans votre vie, comme il est venu dans ma vie, alors que j'étais perdu, alors que je souffrais, alors que j'avais plus d'espoir, alors que j'étais ruiné, détruite, alors que j'avais des soi-disant des fiancés qui détruisaient ma vie. Vous aussi, alléluia, votre vie peut changer. Vous vous dites là où vous êtes, j'ai tout perdu. Vous vous dites, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Même si un homme vous quitte, mais Jésus, lui, vous quittera jamais. Peut-être vous avez perdu vos parents. Peut-être que vous avez perdu votre mère ou votre père. Peut-être que dans votre famille, vous avez toujours des combats. Peut-être que vous vous disputez toujours avec votre femme ou votre mari. Peut-être que vos enfants sont rebelles et ne vous écoutent pas. Peut-être que vous vous livrez à l'impudicité. Peut-être que vous croyez que la vie, bien-aimée dans le Seigneur, alléluia, alléluia, il faut que ça change. Cette vie que vous avez, c'est Jésus qui vous a donné. Alléluia, il faut que ça change. Alléluia, pour la première, je vous exhorte, alléluia, pour la première numéro de cette émission, je vous exhorte à rester ferme, motivé, à persévérer, alléluia, à croire en vos rêves, alléluia, si, alléluia, croyez en Jésus, croyez à vos rêves, vous avez des enfants brillants, encouragez-le, vous êtes une femme de valeur, vous êtes une femme brillante, encouragez-vous, croyez en Jésus-Christ. Ayez la force tous les jours. Alléluia.
Alléluia. Battez-vous. Alléluia. Et croyez que ça doit changer. Ça va changer. Alléluia. Ayez un langage positif, car la foi plaît à Dieu. Cette femme, alléluia, qui était guérie de la perte de sang, alléluia, elle a cru. Elle a cru, elle a dit, si je touche seulement ces vêtements, les vêtements de Jésus, ma vie, alléluia, je serai guérie. Et aujourd'hui, si vous écoutez ces messages, alléluia, vous, ça doit changer, ça changera dans votre vie. Regardez Pactole TV, alléluia, regardez cette émission et priez, ayez la foi en Dieu, écoutez la parole de Dieu, ça va changer. Alléluia, et dites-vous, ça suffit, les sorciers ne peuvent plus jouer avec ma vie, ça suffit, l'envoûtement s'est terminé, ça suffit, la condamnation n'est plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi aussi, je croyais que j'étais condamné. Moi aussi, je croyais que c'était fini, mais je me suis dit, je me suis levé, comme l'est dit dans la Bible. Alléluia, dans Ésaïe 61, lève-toi et que ta lumière brille. Levez-vous dans le Seigneur. Levez-vous, bien-aimé. Femme, lève-toi. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Alléluia, il n'y a pas que ta femme qui doit prier. Papa, toi aussi, tu peux prier. Toi aussi, tu peux intercéder pour tes enfants. Levez-vous, il faut que ça change. Alléluia, il faut que ça change. Il faut que ça change, ça doit changer. À ces fins de l'année, en 2018, ça va changer. Dieu m'utilise encore, Dieu va nous utiliser encore, Pactole TV et toute l'équipe, pour vous encourager, pour vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Et vous verrez des miracles en 2018. Vous verrez la gloire de Dieu. Jésus va se glorifier dans votre vie. Vous verrez vos vies changer. Alléluia. Mais croyez que ça doit changer. Croyez que Jésus peut vous rencontrer. Ne vous inquiétez pas. Il vous connaît. Il connaît vos problèmes. Il connaît votre adresse. Il sait tout de vous. Il vous voit aussi clair que de l'eau. Alléluia. Aussi transparent. Alléluia. Quand il m'est apparu. Alléluia. Je ne m'attendais pas, mais je l'ai vu. Vous aussi, vous pouvez les voir. Vous aussi, vous pouvez les rencontrer. Il faut que ça change. Vos enfants ne sont pas des déchets. Vos enfants ne sont pas des délinquants. Alléluia. Dieu m'a pris loin pour vous parler comme ceci, pour vous parler ainsi. Dieu est bon. Dieu est grand. Suivez Pactole TV. Suivez notre émission. Il faut que ça change. Suivez ces rubriques. Ça va vous bénir richement, abondamment, assurément, pleinement. Alléluia. Croyez au bienfait de l'Éternel. Croyez à sa bonté, à sa fidélité, car c'est un grand Dieu. Bien-aimés, vos vies ne changera pas par vos calculs. Alléluia. Moi aussi, j'ai calculé les choses. Je passe par mon intelligence. Mais Dieu est plus intelligent qu'un être humain. Dieu est plus intelligent que le médecin. Ce n'est pas les rapports de médecin qui comptent. Je vous amène une bonne nouvelle. Je vous apprends une bonne nouvelle. Ce n'est pas ce que les hommes disent. C'est Jésus qui a les derniers mots pour votre vie. Il faut que ça change. Il faut que ça change. N'acceptez plus la défaite. Ne soyez pas défaitiste. N'acceptez plus la douleur. N'acceptez plus les diabètes. N'acceptez plus la souffrance. N'acceptez plus, alléluia, la négativité. Alléluia. Ayez un état d'esprit que Dieu aime. Jésus a apprécié cette femme cananéenne. Jésus a apprécié Marie de Magdala. Et il lui a donné une mission. Comme moi aujourd'hui, va dire à mes frères, va parler de moi, va dans le monde, va prêcher, va exhorter mon peuple, va témoigner. Alléluia, parce que j'ai eu une vie difficile et j'étais marqué par la douleur. Comme Ésaïe 54 dit, alléluia,
malheureuse, que nul ne console, battue par la tempête. C'était ma vie auparavant. Mais Jésus aujourd'hui m'a donné une famille. Jésus m'a donné une maman. Jésus m'a donné un papa. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Il faut que ça change. Il faut que ça change. S'il a changé ma vie, c'est qu'il peut changer aussi votre vie. Alléluia, il peut changer votre vie. Dieu n'est pas dans les calculs humains. Dieu n'est pas dans les raisonnements humains. Dieu n'est pas, alléluia, dans l'intelligence humaine. Alléluia, ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il sait tout, il nous connaît. Il nous aime et il nous a tout donné. Alléluia, soyez affranchis par cette parole. La Bible dit, si vous recevez seulement sa parole, vous serez guéris. Vos vies va changer. Ça va changer. Il faut que ça change. Alléluia. En 2018, rentrez avec cette parole. Il faut que ça change. Ça suffit. Il faut que ça change. Alléluia. Vous qui êtes malmenés par les démons, tourmentés par les démons, vous êtes sacrifiés par la famille, comme moi je l'ai été, interdit de me marier, interdit d'avoir des enfants. Bien-aimé, Jésus seul, il m'a promis. Alléluia, vous pouvez avoir des jumeaux, vous pouvez avoir des jumelles. Bien-aimé, croyez, croyez en Jésus. C'est Dieu dont je vous parle est réel. Il est puissant. Il a fait de moi sa servante. S'il m'a ramassé là où j'étais, s'il m'a sorti où j'étais, il peut le faire avec vous. Il faut que ça change. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à sa parole. Accrochez-vous à Dieu. Alléluia. Nous avons encore l'exemple de ces paralytiques, bien-aimés dans le Seigneur. Ces paralytiques étaient abandonnés de tous. Vous vous dites peut-être, je suis seul. Oh, je n'ai pas d'amis. Moi aussi, je me disais ça. Je suis seul. Personne ne m'appelle. Personne ne s'intéresse à moi. Personne ne m'aime. Peut-être vous êtes complexé. Ne vivez pas sous les pensées. Ne vivez pas sous les émotions. Mais vivez par la parole de Dieu. Et au travers de sa parole, nous avons la guérison. Nous avons la délivrance. Nous avons la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. L'Esprit de Dieu est là pour vous consoler, pour vous réconforter, comme il m'a réconforté, comme il m'a aimé, il m'a consolé. Soyez forts dans le Seigneur, soyez encouragés. Alléluia, il faut que ça change, il faut que ça change. Dites-le si vous me suivez, dites-le si vous me regardez, il faut que ça change. Répétez-le, bien-aimé. La Bible dit, alléluia, que c'est qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui nous arrive. Alléluia, c'est au pouvoir de la langue qui nous viennent, alléluia, tous les mots, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous dites, si vous prononcez des bonnes paroles, cela s'accomplira. Dites, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia, dites-le avec autorité. Dans Luc 10, 19, Jésus-Christ nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir sur l'autorité et le pouvoir sur vos situations, sur vos conditions. Vous pouvez parler à ces montagnes, à ces tempêtes. Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Parlez à vos situations et dites à votre situation, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La malédiction n'a plus d'impact sur votre vie, ni sur la vie de vos enfants, ni sur la vie de votre mari. Alléluia. Maman, ayez un grand cœur de supporter, alléluia, de dire que mon mari va changer. Il faut que ça change. Papa, dites, mon frère, dites, mon fiancé va changer, ma femme va changer. Alléluia. Et si vous êtes colérique, abandonnez la colère. La Bible dit dans Psaume 37, alléluia, que la colère de l'homme ne plaît pas à Dieu, ne t'irrite pas. Alléluia. Car c'est, alléluia, Dieu aime la foi. Dieu aime, alléluia. Soyez remplis, alléluia, de fruits de l'esprit. Il faut que ça change. C'est cette exhortation, c'est mon témoignage de ma propre vie,
que j'appellerai de la poubelle à l'élévation, de la boue à l'élévation, de la poussière à l'élévation, à la gloire. Alléluia, fallait que je passe par là, fallait que je traverse cela. Alléluia, fallait que les hommes m'abandonnent. Vous vous dites, je suis seul, personne ne m'aime. Jésus vous aime. Jésus aujourd'hui, alléluia, vous aime et vous donne ces messages. Alléluia, soyez ferme. Alléluia, en ayant une ferme assurance. Car la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour avoir la foi, il faut d'abord avoir des pensées positives. Il faut se dire que ça doit changer. Ma vie doit changer. Je ne peux pas rester la même. Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un objectif. Dieu ne vous a pas créé, alléluia, pour jouer avec les filles d'autrui. Dieu ne vous a pas créé pour la pornographie. Dieu ne vous a pas créé pour les sexes. Dieu vous a créé, alléluia, à son image, à sa ressemblance, pour lui plaire, pour le servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et cette bonne nouvelle pour vous, il faut que ça change. Alléluia. Ces paralytiques étaient seuls. Personne ne pouvait les jeter dans l'eau. Personne ne pouvait l'aider. Il était là couché. Peut-être vous êtes malade. Peut-être vous allez à l'hôpital tous les deux jours. Peut-être que vous subissez tellement de traitements et votre corps est tellement fatigué. Alléluia. Alléluia. Votre corps est usé. Alléluia. Peut-être que vous souffrez depuis longtemps. Mais cette paralytique, la Bible nous dit que l'ange venait et agitait l'eau. Alléluia. Et les premières personnes qui rentraient dans cette eau étaient guéries. Alléluia. Mais cet homme n'avait personne. Mais Jésus-Christ, il intervient dans les cas les plus difficiles. Il est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Il transforme, il change, il bénit, il élève. Il faut que ça change. Mais il faut prendre la bonne décision. Alléluia. Il faut prendre la bonne décision comme cette femme. Alléluia. Comme la femme cananéenne. Elle a su toucher le cœur de Jésus parce qu'elle avait la foi. Alléluia. Parce qu'elle avait la foi. Alléluia. Et cette femme de la perte de sang, elle aussi, elle était déterminée, décidée. Alléluia. À ce que sa vie change. À ce qu'elle soit guérie. Là où vous êtes, quelle que soit la maladie, les problèmes, les épreuves, il faut que ça change. Alléluia. Pour cette première émission, c'est cette parole d'encouragement venant de la part du Seigneur, venant de Jésus lui-même. Il faut que ça change. Votre vie doit changer. Votre entreprise doit changer. Vous devez connaître les meilleurs. Alléluia. Vous devez connaître la richesse. Vous devez vivre, alléluia, dans la gloire de Dieu, en bonne santé. Il faut que ça change. Alléluia. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Levez-vous, alléluia, comme un peuple de Dieu, comme les peuples de Dieu qui ont combattu dans la Bible. Alléluia. Levez-vous. Que Dieu fasse des merveilles dans votre vie. Que Dieu puisse vous visiter. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que vous puissiez témoigner la grandeur de Jésus. Alléluia. Que vous vivez des promotions, des promotions en promotion. Que vous allez aussi loin comme l'aigle. Alléluia. Que vous puissiez voler si haut. Allez de l'avant. Alléluia. Accrochez-vous. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est le seul qui peut transformer votre vie, votre histoire. Il faut que ça change. Alléluia. Je vous invite aussi nombreux à nous regarder Pactol TV. Alléluia. Pour des enseignements, pour tout ce qui peut vous édifier. Car la Bible dit, soyez édifiés en tout temps. Alléluia. Il faut que ça change. Regardez cette émission. Soyez nombreux. Alléluia. Alléluia. Vous connectez à regarder, à nous suivre. Car votre vie doit changer pour les meilleurs. Alléluia, soyez déterminés.
Aussi longtemps vous vous dites, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Ça fait depuis longtemps que je suis en France. Je n'ai pas d'appartement. Ma vie tourne en rond. C'est les sorciers. Non, dites non. Dites aujourd'hui, il faut que ça change. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur votre vie. Jésus a le pouvoir sur votre vie. Lui seul peut ouvrir et personne ne peut fermer. Lui seul peut fermer et personne ne peut ouvrir. Il a les clés de la vie et de la mort. Alléluia, il change. Il est capable, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que ça change. Ma vie n'avait rien de beau. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, j'étais... Alléluia, j'étais dans la poussière, je n'avais rien. Alléluia, alléluia, et le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu à ma rencontre. Et Jésus est capable de venir dans votre maison, dans votre vie. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Alléluia, pour un changement, pour une nouvelle naissance. Alléluia, cessez de vous plaindre, cessez de pleurer. Cessez de vous lamenter, cessez de murmurer, alléluia, mais faites confiance et ayez foi en Jésus. Il est le même, le Rédempteur, le Shiloh, le Seigneur des Seigneurs, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Gibor, Adonai, El Shaddai, le Père des orphelins. Peut-être que vous pleurez parce que vous n'avez pas vos parents. Moi aussi j'étais comme vous, je n'avais pas de père, alléluia. Je ne connaissais pas mon père, alléluia, et il me manquait. J'ai souffré de manque d'amour, j'ai souffré des blessures intérieures, mais Jésus-Christ m'a réconforté, il m'a consolé, il m'a donné l'amour, il m'a comblé. Il peut le faire avec vous, croyez-le, aujourd'hui, il faut que ça change, alléluia. Nous nous retrouvons prochainement pour notre émission. Il faut que ça change. Je prierai pour vous en direct. Vous pourrez appeler. Alléluia. Et vous serez richement bénis. Alléluia. Et il y aura des miracles. Et Dieu va opérer des grandes choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs. Happy Box TV. Sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom, 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Hadassah, le cœur de Dieu. Hadassah, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne. Tous les jours, les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75.
Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001-209-255-1000. Vos appels partent de la France, faites le 0033-1-78-90-03-32. Depuis la Hollande, ce sera le 0031-635-205-040. Le code d'accès aux prières sera les 14-40-99 et 10-15-50. Pour l'incarnation, 11-11-52. Et pour les cultes dominicales, les 14-40-99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031-6-26-88-31-01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur des dieux. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243-852-902-232 ou les plus 243-828-872-275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Boleka na Partol TV poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso ne zape pas ne change pas la télé c'est Partol TV je vous invite que Dieu vous bénisse on a talisé yo Yesu consolateur yamite. La vie ici sur Terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grace Betty Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactol TV. La prophétesse Grace Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactol TV.
la chaîne chrétienne et de la fiction africaine, la chaîne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel des confiances. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactol TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.